Merci, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entreprenez Manège. Merci, merci. Comme vous le savez, c'est la seule émission de télé qui permet à un porteur de projet de trouver son accompagnant idéal. Oui. Vous le savez, cette émission a vu naître des dizaines d'histoires d'amour incroyables. Et ce soir, à 7, incroyable public, on peut le dire. Ouais. Oui. Merci, on va générer encore plus de bonheur et d'amour à 7, au service, bien entendu, de la création d'entreprises. Alors, uniquement pour les personnes qui, et celles qui ont vécu dans une grotte depuis une vingtaine d'années, je rappelle les règles et le fonctionnement de... Entreprenez Manège. Car depuis le temps, tout le monde doit être informé un peu du... doit le connaître et informé du fonctionnement. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons 5 candidats, 2 créateurs, 2 à 3 accompagnants, on va voir, effectivement. C'est ça? Vous êtes en forme, oui? Moi, je suis... D'accord. Opposé. Donc on aura l'occasion de le vérifier. Donc, et le but est bien sûr de créer ce qu'on appelle quelque part le couple idéal, c'est quand même le rêve. Hein. Donc oui, vous pouvez y aller, c'est vrai. Alors, dans un premier temps, ce qui va se passer, donc, c'est que les créateurs vont se présenter et poser des questions aux accompagnants. Ce sera un peu la première phase. Et en fonction des réponses, les créateurs vont éliminer un accompagnant. Et puis après, on aura une deuxième phase où ce sont les deux accompagnants qui poseront des questions et qui élimineront un créateur. Et on poursuivra ainsi de suite. Et enfin, le dernier créateur qui restera, posera les questions et effectuera son choix. Alors, et suite à ça, nous n'aurons plus qu'à ouvrir la cloison et leur permettre de se découvrir. Et on aboutira à notre rêve, c'est une connexion entre notre créateur et son accompagnant. On continue? Alors, quand même. Alors, s'il y a un triomphe à effectuer, je vous demande de le faire, c'est pour mon complice, Charlie Oleg. Ouais. Alors, Charlie, vous êtes en forme ce Formidable, matin. Formidable. C'est la grande forme. Je suis heureux de tous vous retrouver, public. Aujourd'hui, vous êtes formidable. Ouais. Merci, Charlie, merci. Alors maintenant, il est temps de vous présenter les candidats. On va commencer par les créateurs et puis, honneur aux dames. Ingrid, vous vous appelez Ingrid et en dépit de votre accent de Marseille, je vais vous laisser vous présenter. Oh, il est en forme, Charlie. Oui, je m'appelle Ingrid, mais je préfère que vous me tutoyez. Si vous pouvez me tutoyer, je préfère. D'accord, Ingrid. Alors, Ingrid, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Ingrid, je suis brésilienne, mais j'habite à Marseille. J'ai un CAP d'esthétique modale, digitale et podale que j'ai obtenu à Rio de Janeiro. Et là, j'adore le cinéma. Et aujourd'hui, j'ai un projet innovant de fashion relooking en auto-entrepreneur. Merci Ingrid. Mais Ingrid, j'ai l'impression de te connaître. On ne t'a pas déjà vu dans une précédente émission? Ah oui, c'est vrai. J'étais sur un projet de tatouage angulaire.
Mais c'était 2020 et le Covid m'a tué. D'accord. Eh bien oui, c'est bien normal, le Covid t'a tué. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Merci de vous. Alors, second créateur, vous vous appelez Brandon et vous venez de la région Nord. Alors oui, bonsoir, je m'appelle Brandon, mais mes amis m'appellent Brand. Je suis diplômé de PSMB, Picardie School of Management and Business, et j'ai toujours rêvé de créer ma green startup, et j'y suis presque. J'ai déjà 200 followers sur Instagram, et je développe ma commu à l'aide de vlogs sur ma vie de startupper à Beauvais. D'ailleurs, ma dernière vidéo... à la recherche de Love Money devant la cathédrale de Saint-Pierre, a déjà fait 12 vues. Hashtag Startup Way of Life. C'est bon, merci Brandt. Passons maintenant aux accompagnants. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ? Eh bien, moi je trouve qu'Ingrid, elle a un look formidable, mais je constate qu'elle est sans bas. Eh oui, Charlie, samba. Eh oui, samba. Samba, samba. Merci Ingrid. J'ai comme l'impression que ça va être un peu compliqué cette émission, mais enfin bon. Merci Ingrid. Donc les accompagnants et tout d'abord Simone. Bonjour. Bonjour Simone. Allez, bonjour. Une petite présentation, qui êtes-vous ? Mais bien volontiers, je m'appelle Simone et je travaille à la pépinière de Saint-Amour dans le Jura. Saint-Amour, ça ne s'invente pas quand même. Hein. Et mon rôle, il va bien au-delà du simple conseil en affaires. Moi, j'accompagne chacun des entrepreneurs sur les défis personnels et émotionnels qu'ils rencontrent. Parce que être aligné dans sa tête, dans son corps et dans son cœur, c'est super important pour créer une entreprise frugalo-libérée. Donc, à Saint-Amour, on a développé une méthode d'accompagnement unique qui associe expertise en développement personnel, gestion du stress, empathie, écoute active, câlinothérapie, interprétation des rêves, Ayurveda et bien sûr, amour pour son idée. Avec un grand A comme accompagnement, un grand M comme mixité, un grand O comme ouverture, un grand U comme usager et un grand R comme respect. Parce que ma mission, ma raison d'être en fait, hein, c'est d'aider les petits chéris à surmonter leurs peurs, leurs pleurs, pour qu'ils deviennent des véritables fleurs. Merci. Alors en fait, dans l'équipe, on est des personnes assez solaires finalement. Et selon la météo intérieure de mes jeunes pousses, je vais avoir plusieurs casquettes à mon arc. Je vais être mentor, confidente, maman, grande sœur. Et des fois, j'hésite pas à être la tante Germaine si c'est nécessaire. Vraiment, la tante Germaine ? Ah ben, il faut bien quand c'est nécessaire. C'est hyper important d'être la tante Germaine. Parce que ma devise, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'humain au cœur. Et depuis que j'ai participé à un congrès il n'y a pas très longtemps, organisé par des gens inspirés, et c'était très inspirant, j'ai rajouté à ma phrase, écoutez bien, le bonheur est dans l'entrepreneuriat et l'amour dans l'accompagnement. C'est formidable, non ? Bon, eh bien, merci Simone. Charlie, un commentaire ? Formidable, formidable ! Allez, on y va ! La balade des gens heureux. Merci Charlie. Alors nous avons également Axel. Je vous laisse vous présenter.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je suis start-up nurseuse à Triple X. Triple X, c'est un incubateur. Notre devise à nous, c'est la croissance de votre entreprise et de votre business pour vous et pour nous. À Triple X, on propose des journées en bootcamp, plutôt en campagne, parce qu'on est évidemment implanté à Paris, mais on aime beaucoup la campagne, hein, on est pour l'environnement, oui bien sûr. Et donc, quand on se lance dans la voie royale de la start-up, l'important c'est l'innovation. Donc, on essaye de développer avec vous, enfin, on n'essaye pas d'ailleurs, on y arrive, à développer avec vous vos clients de demain, parce que vos clients de demain, c'est votre chiffre d'affaires d'après-demain. Voilà. Mais on aime aussi vous accompagner en one-to-one. Et ça, c'est très important pour nous. On a un corpo work très ouvert avec des open space qui vous permettent vraiment d'échanger et de travailler ensemble sur votre business. Ensuite, on développe beaucoup la chance. Alors la chance, elle sourit surtout aux audacieux. Et on développe votre audace grâce à votre mindset de winner, j'ai envie de dire. Voilà, pour lequel on vous accompagne, on vous développe. Et chez Triple X, vous trouverez... Merci Axel, on est un petit peu pressé, hein, mais merci bien beaucoup. Merci. Alors enfin, the last but not the least, je pense que c'est Yannick. Ah voilà, merci bien. On va voir Yannick. Je vais bien, je vous remercie. Je suis heureux d'être parmi vous. En tant qu'accompagnant nouvelle génération, j'espère être à la hauteur de mes éminents confrères. Nous vous le souhaitons, Yannick. Charlie, un commentaire. Formidable ! Ils sont tous formidables ! Ouais ! You are very, very, very formidable ! You are very, very, very formidable ! Merci, Charlie, merci, c'est bon. Merci. On va passer aux choses sérieuses pour ce round 1. Les questions, d'abord, eh bien, celle des créateurs, Ingrid. Est-ce oui. que tu veux commencer ? Je pose la question, je dis, mais comment ça se fait, comment vous faites pour faire l'accompagnement, parce que moi c'est un projet innovant, c'est la reine du dressing. Et donc, bah, comment les structures elles peuvent accompagner mon projet? C'est une bonne question Ingrid. Alors Axel, comment ça se passe dans votre structure? Alors nous c'est vraiment très très simple. D'abord, il faut participer à un workshop. Pour ça, il faut s'inscrire en ligne. Vous remplissez un test qui nous permet quand même de faire une première sélection. Ce workshop, il vous servira à comprendre comment on processe notre accompagnement avec de la pré-incubation, de la post-accélération, de l'aide à la levée de fonds, avec des equity managers. Donc ça, tout ça, on vous l'explique pendant le workshop. Et une fois que vous avez été pris au workshop, là, vous avez le droit de candidater au jury de sélection. Donc pour ça, il faut un dossier de candidature. Pour la modique somme de 300 euros, vous avez le droit de candidater. Et notre jury est composé vraiment d'experts internes. Donc évidemment les start-up nurses, mais aussi les community managers, les webmasters et surtout notre surface agencies. C'est bon ? Eh bien merci, ça me paraît très complet, non ? Alors Ingrid, est-ce que tu es satisfaite ? Alors ça a l'air bien, hein, mais moi c'est un peu un défi, c'est un peu comme si on devait habiller un drag queen, un philosophe communiste. J'ai envie de dire. Bon. Oui, d'accord, par exemple. Alors, c'est sûr. Donc maintenant, et vous, Simone, comment ça se passe dans votre structure ? Eh bien, nous, à la pépinière Saint-Amour, c'est très simple puisqu'on accepte tout le monde. Parce qu'on va privilégier les rencontres avec un grand R. D'accord. En fait,
Il faut que le courant y passe entre nos guides, parce que c'est comme ça qu'on appelle les accompagnateurs, conseillers, consultants, oui. Les guides, quoi. Et que ça passe avec nos futurs créateurs heureux et repreneurs inspirés, nos chéris. Il faut qu'ils se plaisent et qu'ils se choisissent, quoi. C'est la seule condition. Ah. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On organise un séminaire pour construire ces binômes-là. Et vous savez ce qu'on fait? Non. On fait de la médiation animale. On organise donc un séjour à la ferme voisine, un botte-camp. Et le premier jour, ben, on va chercher à découvrir c'est qui notre animal totem. C'est super important quand on crée une entreprise. Et puis après, ben, tout au long de la semaine, eh ben, on va enchaîner avec un programme assez riche pour créer sa boîte, quoi. On va faire du yoga avec les vaches, de la méditation avec les poules, de la calinothérapie, non ça c'était avant, de la ronronthérapie avec les chatons. Oui. On va faire aussi de la murmurologie à l'oreille des chevaux. Et bref, bah, après une semaine à Saint-Amour, finalement, vous saurez un peu plus sur l'entrepreneur que vous êtes et sur finalement bah, comment monter votre projet, quoi. Très bien, oui Charlie. Votre séminaire, là, vous ne l'organisez pas à Saint-Claude? C'est dans le Jura aussi. Pourquoi Saint-Claude, Charlie? Parce que c'est bien connu, Saint-Claude, c'est la capitale de la pipe. Alors je me disais, avec Saint-Amour... C'est pas notre secteur. Il n'y a pas un carton, là, un carton jaune? Charlie, vous n'avez pas honte? Désolé. Hashtag MeToo, là, non? Ça vaut un avertissement, ça. Bon. Alors maintenant, essayons de reprendre, hein, si c'est possible. Et vous, Yannick? Comment sélectionnez-vous vos porteurs de projets? Nous leur demandons d'accepter les conditions générales d'utilisation et de valider les cookies. Ok, 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 ok. À vous, Brandon, de poser une ou plusieurs questions aux accompagnants. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais savoir combien ça va me coûter votre accompagnement. Axel, quel est le tarif de l'accompagnement? Alors, chez nous, c'est très transparent. Donc, une fois que vous avez passé la sélection, et c'est vrai que là, vous avez déjà réussi quelque chose, vous n'avez plus rien à payer. Simplement, on prend une petite partie de participation dans l'entreprise, à peine 15%. Ah, ça a le mérite d'être clair. Et vous, Simone, comment ça fonctionne chez vous? Alors, chez nous, ouais. Grâce au FSE, aux OPCO, à l'État, à la région, à la communauté de communes, à la commune, à la fondation Maïf, puisqu'ils sont là aujourd'hui dans la salle. Très bien. La fondation GRDF. Alors à chaque fois je me fais avoir, je veux tous les citer parce qu'ils sont formidables, mais si j'en oublie un, ben, on n'a plus d'assistante de direction. Ouais, hein. Non, je reprends. La fondation Bettencourt. La fondation, la fondation Bettencourt, la CAF, bien sûr, et les OPCO. Oui. Donc en fait, finalement, nos porteurs de projets, ils ne payent rien. On les rémunère pour qu'ils puissent entreprendre sereinement. Et alors nous les guidants, ben, on est rémunérés au bonheur d'avoir accompagné nos petits chéris dans la voie entrepreneuriale, quoi. Parfait, merci Simone. Et merci. Vous Yannick, comment ça se passe chez vous? Nous fonctionnons sur abonnement, 12,99€ par mois TTC. Impec, merci, ça a le mérite d'être bref, ce n'est pas comme... enfin bon, alors on va devoir accélérer un peu. Alors Ingrid, est-ce que tu veux poser une autre question et à qui? Alors je voudrais poser une question à Axel. D'accord, Axel. Ma chérie, Sénèque a dit le style... C'est le vêtement de la pensée. Qu'est-ce que tu penses? C'est de Sénèque, ça. Non, moi, de Sénèque, je préfère. Il ne peut y avoir de vent favorable pour qui ne sait pas où il va. C'est quand même plus important de rester focus sur son business plutôt que de s'occuper de ses vêtements. Nous, chez nous, on est vraiment tranquille. C'est Friday wear toute l'année et tous les jours. Alors, Ingrid, est-ce que tu es satisfaite? Bah, j'ai envie de dire, le vêtement, le look est sublime. C'est quand même la base pour le développement personnel. Brandon, une autre question, peut-être à Simone? Brand, je préfère Brand.
Oui. Ok, oui, faites. Allez-y. Mais ma question, c'est plutôt à Axel que je voudrais la poser. Je peux ? Bien entendu. Alors, pour tout vous dire, mon projet est super innovant et dans l'air du temps parce que bah, il va sauver la planète. Du coup, j'ai plein de sollicitations de structures, la CCI, la French Tech. Je suis labellisé Deep Tech. Alors, pourquoi je vous choisirais, vous ? Axel ? Pas très original hein, comme question, mais bon. Alors là, c'est le moment où je me fais des amis. Donc, si la CCI innovait, ça se saurait. La French Tech, ça, c'est dit. C'est dit, fait. Mais il fallait que ça sorte quand même. Il fallait qu'on le pose, hein. Il fallait le dire. La French Tech, c'est SO 2013 et le label Deep Tech, bah, tout le monde l'a, donc ça n'a vraiment plus aucun sens. Pour nous, c'est Anyway. Moi, je crois que vous n'avez pas très bien compris en fait comment on fonctionne. C'est pas vous qui nous choisissez en fait, c'est nous qui vous choisissons. Hein. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait un business model qui tienne la route, un peu de chiffre d'affaires, un prototype qui fonctionne, enfin des clients quoi, parce que sinon, nous, on palpe pas. Hein. Bon, je vais moi-même poser une question à Yannick. Comment ça se passe donc dans votre structure pour l'accompagnement des créateurs ? Google pour les silvers, YouTube pour les slashers, Chat, GPT pour les autres. Bon, ben on en sait. On en sait un peu plus sur les accompagnants maintenant. Alors, il est temps pour les créateurs de faire une première sélection et d'éliminer un des trois. Ingrid, Bran, vous prenez quelques minutes pour vous concerter. Alors Charlie, pendant que nos créateurs réfléchissent, qu'est-ce que vous pensez de cette première manche ? Formidable ! C'était formidable ! Mais ça veut dire quoi, Elevator Pitch ? Jamais entendu parler, moi. Je m'y connais en musique d'ascenseur, pourtant. Ouais ! Vous êtes tous formidables ! Alors, merci Charlie. Alors Ingrid, est-ce que tu as une préférence ? Ah, moi, je les trouve tous les trois magnifiques, mais j'ai une petite préférence pour Simone. Mais j'espère qu'elle ne porte pas les leggings léopards ou rouge et grondin. Et vous, Brandon, alors ? Simone, pas question, elle vit dans le monde des bisounours, Simone. Pas elle. Bon, bah alors, pour vous mettre d'accord, ce que je vous propose, c'est une dernière question à Simone. Alors, d'accord, je pose la question. Ingrid, bien sûr. Je vais répondre avec le cœur. Avec Simone, c'est oui. Ça la question. Oui. Ok, Axel ou Simone? Je pose la question, après Simone. Il répond qui veut. Non, Simone. Simone, je prends Simone. Alors, je ne sais pas si Simone est voilà le technicien. Elle voit le technicien, monsieur avec les lunettes. Je ne vois pas le technicien. Il faut que je... Il est où le technicien? Voilà. Il a l'air sympa. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses de sa chemise? Moi, je la trouve super classe, hein, sa chemise, ce petit grain de folie, c'est tout lui, quoi. Oh là là, ma chérie, mais c'est une fashion faux pas, ça. C'est quoi le thème? Licorne cocaïnée? Mais c'est pas possible. Non, ça va pas. Je crois que Simone, je vais pas la garder. Eh bien, désolé Simone, je vais vous demander de quitter le plateau. Mais avant de quitter le plateau, avez-vous un conseil à donner aux entrepreneurs du jour ? Est-ce que je peux aller les voir, les petits chéris, pour donner mon conseil ? Bon, si vous voulez. Ah, formidable. Bien entendu. Moi, je pense que vous devez écouter votre cœur. Ciao. Formidable. En voiture, Simone. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est qu'un au revoir, nanan, ce n'est qu'un au revoir. Alors, on va passer à la deuxième étape maintenant, au deuxième round. Ça va être aux accompagnants de poser des questions à nos créateurs. Et afin de mieux les connaître, donc Axel, est-ce que vous avez à qui voulez-vous poser votre question en premier ? Je vais poser ma question à Ingrid. Ingrid, est-ce que tu es pour les facturations ? Alors Ingrid, est-ce que tu
peut nous répondre? Ah bah, l'affectation, c'est obligé. Dans le milieu de la mode, les créateurs, les modèles, on est tous, c'est l'amour, c'est l'affection, et c'est le Brésil. C'est l'amour. Ok, Ingrid. Donc, Axel, vous avez une autre question pour Brandon? Oui, Brandon, Brand. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ta CAF? Brandon, la CAF, ça vous parle? Oui, complètement. Mais je préfère appeler mon expert comptable pour avoir le dernier update. Oui, maman, est-ce que tu peux me donner la dernière valo de la CAF, s'il te plaît? Salut, mon fils. Tu commences à me saouler avec ta start-up. Tu peux pas plutôt trouver un vrai travail? Et au passage, libère le garage. Donc, désolé, Axel, hein, je crois qu'on n'en saura pas plus. Et... Yannick, vous avez une question? Oui, je vous remercie. Pouvez-vous nous parler plus en détail de votre idée? Non. On risque de me la piquer. Ingrid? Moi, c'est simple. Je m'arrange, je me débrouille pour que les gens soient bien dans leur fringue. Par exemple, si on prend le monsieur là, s'il peut revenir. Il est taillé en HWXL. Bon, c'est tout, il ne va pas. Il lui faut trouver son style. Il a une morphologie alphabétique. Merci à tous les deux pour ces réponses intéressantes. Alors, on arrive au terme de la deuxième manche. Et je m'adresse aux accompagnants. Il va falloir aligner un créateur. Hein. Axel? Je vais laisser Yannick vous dévoiler notre décision. Allez, Yannick, à vous. Ingrid, malgré tout l'intérêt de votre projet, nous n'avons pas retenu votre candidature. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre aventure entrepreneuriale. Ingrid, est-ce que tu peux quitter le plateau? Ben, j'ai pas le choix. Hein. Non. Formidable, ouais! Chambre 205. Merci, donc maintenant un nouveau round. Brandon, vous avez le choix. Deux accompagnants. À vous, qui allez-vous choisir? Je ne suis pas tout à fait certain. Alors pour confirmer votre choix, vous pouvez encore poser des questions à nos deux accompagnants. Pour vous dire, ma start-up, qui est une pré-licorne, va avoir un réel impact sur la vie de millions de gens qui s'intéressent à l'écologie et à l'environnement, parce que c'est super important de le préserver. Alors, Yannick, Axel, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Yannick? Ah. C'est pas Versailles, ici. Et chez Triple X, Axel, l'environnement? Alors nous, évidemment, l'environnement, c'est une préoccupation de tous les instants. Donc, on a eu beaucoup de certifications. Je vais les lire, il y en a beaucoup trop. Alors, on est certifié ISO 14001, mais on a aussi obtenu les labels NF Environnement, l'écolabel européen, le signe blanc, le label FSC pour nos ramettes de papier, le label allemand Ange Bleu, le point vert, le label Susceptible Clinic pour nos produits d'entretien et d'hygiène. Et surtout, et ça c'est ce que je préfère quand même, chaque fois que nous accompagnons une start-up,
on s'engage à planter un cocotier dans notre corpo shop. Des cocotiers à Paris, c'est super, hein. Bravo, waouh, très bien, impeccable, Charlie. C'est un défi. Formidable écologie, allez les verts. Excusez-nous, c'est ça le direct. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin. Allez, allez. Merci Charlie, toujours le commentaire qui va bien. Merci, merci. Brandon, vous devriez être près du choix final maintenant, non? On vous laisse poser une dernière question pour confirmer. C'est à vous. D'accord. Alors, je m'adresse à vous deux. Est-ce que vous pensez que mon projet va marcher? Yannick, on écoute votre réponse. Je n'ai pas accès en temps réel à vos pensées ou idées spécifiques. Donc, je ne peux pas prédire avec certitude si une idée va marcher ou non. Cependant, je peux vous offrir des conseils généraux pour évaluer la viabilité de votre idée. Point 1. Recherche et analyse. Point 2. Proposition de valeur unique. Point 3. Plan d'affaires solide. Point 4. Test et validation. Point 5. Flexibilité et adaptabilité. Point 6. Ressources nécessaires. Point 7. Plan de marketing. Point 8. Étude de la concurrence. Point 9. Feedback externe. Point 10. Risque et récompense. Point. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune garantie de succès, même avec une idée solide. Le démarrage d'une entreprise implique toujours une part de risque. Cependant, en effectuant une recherche approfondie, en évaluant honnêtement les facteurs de réussite et en étant prêt à adapter votre stratégie en fonction des retours, vous augmenterez vos chances de succès. Ça sonne vraiment comme ChatGPT, ça, Yannick. Non, soyons sérieux. Moi, vraiment, Brand, je crois en votre potentiel. Et vraiment, j'ai le pif pour ça. Dans ce cas, je n'ai plus aucun doute. Je choisis Axel. Formidable, Axel, ouais! Félicitations Axel, et comme vous avez pu le voir, ben Yannick, merci d'avoir quitté le plateau. Hein? Merci beaucoup. Alors, erreur, bon. Alors maintenant, nous voici arrivés au moment que tout le monde attend. Le créateur et l'accompagnant vont enfin être face à face. Donc Brandon, Axel, je vous demande de vous lever, de vous placer derrière le rideau, derrière la cloison. Qui va s'ouvrir? Je vous demande un certain silence pour vivre ce grand moment d'émotion. Et on va tirer le rideau tout doucement. J'attends ton inscription. Je suis en voie de sens. Alors, Brandt, vous allez peut-être un peu nous révéler votre projet, non? Bon, ok, mais ça sort pas d'ici. Hein. Ce qui se passe au Lazaret ne sort pas du Lazaret. Alors, l'idée m'est venue lors d'un voyage en Norvège. Là-bas, tout le monde roule en électrique. C'est génial. Mais les routes sont assez tortueuses et on fait assez rapidement 200 km pour rejoindre une destination à 50 km à vol d'oiseau. Et puis comme le territoire est assez rural, c'est pas facile de trouver des stations de rechargement. Et là, ça m'a fait tilt. L'idée de ouf. Une remorque avec un groupe électrogène intégré. Fallait y penser, non ?
Formidable, formidable, ouais, formidable. Alors, Brandon, j'ai peut-être juste une question à vous poser. Votre remorque, elle est alimentée comment? C'est là que l'idée est géniale. En Norvège, ils ont plein de pétrole avec les puits dans la mer du Nord, vous savez. Ah, alors du coup, bah, la remorque, elle marche au diesel. Ils en ont plein. Voilà. Vous ne voyez pas tous, on va le tirer. Et du coup, la prochaine étape, c'est d'envahir les pays producteurs de pétrole en commençant par les Émirats. Et encore mieux, je suis en train de bosser sur un proto pour les vélos électriques. Courage. Hop. Eh bien... Formidable, formidable, à bientôt. Eh bien, merci à tous. Ainsi s'achève Entreprenez Manège en direct du Lazaret. On vous retrouve avec notre ami Charlie. Très bientôt pour de nouvelles émissions. Ça vous va, Charlie? Formidable. Oui. Mesdames et messieurs, je vous demande une ovation pour Michel Dupoisat. Virginie Belay, Marie Brzezinski, Dorothée Lépine, Stéphane Viadec, Corinne Renard et Vincent Segard. Ouais, formidable. Allez, magnifique. Le moment est difficile. Il va falloir donc qu'on se quitte, mais avant, il faut qu'on remercie un certain nombre de personnes, non? C'est pas ça? Oui, absolument, c'est ça. Ben, on veut remercier, évidemment, on l'a déjà fait au départ, nos partenaires et nos intervenants, nos 65 intervenants. Merci, merci à tous. Et merci, merci à vous tous d'être toujours fidèles. Et puis, ben, on vous retrouvera à Procréa ou dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, on sera heureux et ça sera du bonheur. Et on vous aime! Rime avec toujours, c'est la mer, c'est l'amour.